dans le respect des règles et des principes de la démocratie, des règles et des principes de l'état de droit, dans le respect de la dignité humaine, dans le respect des règles qui peuvent conduire à l'unité de notre nation et à la prospérité de ses enfants. Donc nous comptons sur vous, nous sommes très satisfaits de la grandiose mobilisation et nous serons bientôt informés pour la prochaine. Mais dans tous les cas, le 2 août, il faut que tous les Guinéens soient dehors. Vous avez compris, vive la République! Vive l'Union nationale! Vive la démocratie! Je vais faire une petite... J'ai écouté quelqu'un. Il dit, ouais, comme ils sont dans la rue, on ne fera plus rien. Mais ça, c'est la démission. Si on est dans la rue, on arrête de respecter la loi comme si on la respectait pour l'opposition. On arrête de mettre en œuvre les accords parce que si, c'est comme si on le fait pour l'opposition. La manifestation sur les voies et les places publiques est un drôle constitutionnel. Est-ce que l'État va dire à Hong Kong, il manifeste, nous n'allons plus rien appliquer, nous allons pas nous. Lorsqu'ils ont décidé de ne pas examiner la proposition de loi sur la CIM, c'était parce qu'on manifestait. Lorsqu'on a décidé de refuser d'examiner le code électoral amendé lors de la session budgétaire, c'est parce qu'on manifestait. On n'a pas organisé les élections locales en février comme prévu dans l'accord, c'est parce qu'on manifestait. On n'a pas lancé l'appel pour le recrutement du cabinet chargé de noter le fichier, c'est parce qu'on manifestait. Donc pour tous les prétextes pour eux, pour retarder ces élections locales parce qu'ils sont convaincus de la perte. Le peuple de Guinée a compris, on ne peut plus les tromper. On ne peut plus acheter, heureusement, les consciences. Ils sont prêts à voter pour l'opposition pour qu'on prenne le contrôle des quartiers, des communes et de le pouvoir à peur. Sinon, comment expliquer depuis 2011, nous sommes le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas organisé les élections locales. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont organiser l'année prochaine les deuxièmes élections locales. Ils ont déjà, depuis 2011, organisé, malgré tous les accords politiques qui engagent le gouvernement à organiser ces élections locales. Eh bien, jusqu'à présent, on ne sait pas quand est-ce qu'on les aura passé. Alors, ils vont dire que c'est parce qu'on manifeste, mais on va manifester jusqu'à la satisfaction intégrale de nos revendications. Vive la République, vive l'unité nationale, vive la démocratie, je vous remercie.